Prière. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en oubliant que l'on se retrouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Saint François d'Assise. Fondateur italien de l'ordre des franciscains, Saint François favorisait une approche de la religion fondée sur la joie et l'amour de la nature, où tous les êtres vivants sont nos frères et sœurs. Cette prière est l'une des plus célèbres et des plus durables qui nous soit parvenue. Elle exprime le profond désir de tous les êtres humains d'incarner pleinement cet être spirituel qui habite notre corps matériel. Dans ce texte, Saint François décrit ce qui constitue l'essentiel de notre moi supérieur. J'aime beaucoup réciter cette prière. Je suis convaincu qu'en la récitant, nous entrons directement en contact avec Saint François, l'un des êtres les plus divinement spirituels à avoir vécu parmi nous. La même force divine et invisible qui a circulé à travers cet homme au XIIe et XIIIe siècle circule également à travers vous et moi. Si vous sentez que vous avez des affinités avec ce saint homme, je vous suggère de lire ses biographies et de regarder le film intitulé « Frère Soleil ». Sa vie a été une telle inspiration pour moi que j'ai visité Assise afin de pouvoir marcher dans les mêmes forêts que lui et prier dans la chapelle où il a réalisé de nombreux miracles dont on a pu établir l'authenticité. Cette prière, qui a survécu jusqu'à nos jours, parle du sens même de la prière. Pour bien des gens, prier est une façon d'implorer Dieu afin qu'il nous accorde une faveur particulière, mais sainte Thérèse d'Avila parle de la prière de façon bien différente. Elle nous dit « Ne demandez qu'une seule chose dans vos prières, soit de conformer votre volonté à la volonté divine. » C'est exactement ce dont il est question dans la prière de Saint François. Au lieu de rechercher les faveurs d'un être qui nous serait extérieur, cette prière exprime au contraire le souhait de devenir un véhicule pour les désirs de Dieu. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un changement radical, mais aussi d'un premier pas vers l'illumination spirituelle. Demander qu'on nous accorde la force de mettre l'amour là où est la haine, l'espérance là où est le désespoir et la lumière là où sont les ténèbres, c'est demander d'être libéré de la mesquinerie et des préjugés dont nous sommes prisonniers. C'est demander d'être l'expression du puissant amour que nous attribuons au Créateur et qui fait intrinsèquement partie de nous. Quand nous savons que nous ne sommes jamais seuls, nous formulons nos prières différemment afin de les adresser à ce avec quoi nous sommes déjà en contact, l'aspect le plus élevé et sacré de notre propre être. Si Dieu est partout, il n'y a alors pas un seul endroit d'où il est absent, y compris en nous-mêmes. Armés de cette révélation, nous pouvons prier Dieu afin qu'il nous accorde la force morale dont nous avons besoin. Au lieu de demander d'être protégé du danger, nous demandons d'avoir la force d'être sans peur.
Au lieu de demander le soulagement de nos souffrances, nous cherchons à acquérir la capacité de les transcender et de les vaincre. Nous cessons de présupposer que nous savons ce dont nous avons besoin et ce qui pourrait nous aider. La prière de saint François est une façon de s'exercer à mettre en pratique dans notre vie quotidienne le réconfort, la compréhension, le pardon et l'action. Nous en sommes tous capables, et il nous arrive d'ailleurs régulièrement de le démontrer. Néanmoins, la plupart du temps, nous demandons aux autres, y compris à cet être que nous croyons distinct de nous-mêmes, appelé Dieu, de nous consoler, de nous comprendre, de nous pardonner et de nous fournir ce dont nous avons besoin. En récitant cette petite prière, nous nous engageons sur la voie d'une véritable croissance spirituelle. Nous laissons notre ego derrière nous en acceptant que cette partie sacrée de nous-mêmes soit une force dominante dans notre vie. J'ai toujours aimé cette histoire du maître qui dit à un jeune avatar particulièrement avancé sur le plan spirituel « Je te donnerai une orange si tu es capable de me dire où se trouve Dieu. » Le jeune homme répondit « Je vous donnerai deux oranges si vous êtes capable de me dire où Dieu n'est pas. » La morale de cette histoire ? Dieu est partout. Lorsque vous priez Dieu, vous priez une présence puissante et éternelle qui est une partie de vous-même. Communiez avec cette présence en chassant toute idée de séparation entre elle et vous, puis mettez en pratique les divines paroles de saint François le plus souvent possible en intégrant les idées suivantes. Prenez l'habitude de réciter cette prière tous les jours. Le simple fait de prononcer ces paroles vous aidera à agir conformément à l'esprit de cette prière au cours de la journée. Si quelqu'un vous offense, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou d'un inconnu, avant de répliquer, demandez-vous « Ce que je suis sur le point de dire est-il motivé par mon besoin d'avoir raison ou mon désir d'être aimable ?» Choisissez la réponse motivée par votre désir d'être aimable, même si votre ego s'y objecte de quelque façon. Exercez-vous à mettre l'amour là où règne la haine, en particulier quand vous lisez les journaux ou quand vous regardez le journal télévisé. En semant l'amour, même si cela peut sembler difficile, vous contribuez à éradiquer la haine de notre monde. Vous devrez faire preuve d'une grande vigilance pour surmonter le conditionnement culturel qui vous a appris que nous devons rendre œil pour œil, dent pour dent. Regardez dans votre cœur et dressez la liste de tous ceux qui vous ont blessé d'une façon ou d'une autre au cours des ans. Semez le pardon là où est la douleur. Le pardon est à la base même de l'éveil spirituel et c'est ce dont parle saint François d'Assise dans sa divine prière.